quelques clés pour observer et intervenir. Je vais les finir. J'essayais de dérouler quelque chose, un questionnement en fait. La première question que je me dis que je vais vous poser quand vous observez un gamin, c'est est-ce qu'il est plutôt dans une logique de s'équilibrer ou est-ce qu'il est plutôt dans une logique de vouloir se déplacer vers quelque chose. La deuxième idée, c'est que globalement, un grimpeur est toujours organisé au moins autour de deux appuis dominants. En général, l'un et un pied. Dans les configurations de prise que l'on rencontre en milieu scolaire. C'est ce qu'on appelle, vous avez dans les fiches, ligne d'action. La ligne d'action, c'est la ligne qui passe par les deux points les plus chargés. Autrement dit, c'est la prise que vous voulez garder, ou que vous trouvez en général meilleure. Et c'est là où vous avez mis plus de poids. Alors des fois, on a ce qu'on appelle des doubles lignes d'action ou des lignes d'action indifférenciées, parce que quand vous êtes bien équilibré comme ça, notamment dans les phases d'équilibre, et vous avez une bonne prise là, et bien vous avez en fait deux lignes d'action. Votre corps est organisé autour de ces deux choses. Alors, vous allez voir pourquoi c'est important cette ligne d'action. Donc, vous imaginez, j'ai deux mains, deux pieds. Il y en a deux qui sont fixés. Regardez, là j'ai pris une image d'un étudiant débutant dans un DVR. Vous voyez, la ligne d'action, c'est main gauche, pied gauche. Donc, il a la main gauche fixée, il a le pied gauche fixé. On voit bien à droite, le pied est posé, mais on voit bien qu'il n'est pas chargé. Il n'y a pas de poids dessus. Bon, là, je ne parle pas des effets de rotation, tout ça. Mais, juste logiquement, vous avez deux mains et deux pieds. Vous en avez déjà deux qui ne peuvent plus bouger. Il vous reste deux. Vous êtes tout. Un troisième, et éventuellement le corps, que vous pouvez un peu bouger. Vous avez trois atouts avec lesquels vous pouvez jouer. Alors, c'est là que phase stat et phase dynamique, c'est important. Parce que si vous êtes en phase statique, vous n'avez pas du tout comme projet d'enlever une main par force pour aller chercher une prise. Donc, vous pouvez vous organiser les deux mains, et puis j'ai un pied qui va venir avoir une fonction d'équilibration et l'autre main qui va avoir une fonction d'équilibration. J'ai deux atouts, voire le corps un peu qui bouger, bon, trois atouts, pour pouvoir m'adapter et maintenir mon équilibre. Si je suis en phase dynamique, oulala, ça devient plus compliqué parce qu'il va falloir que je lâche une main. Donc on voit bien les élèves quand ils sont là qui veulent lâcher une main pour aller chercher la prise. Il ne faut pas qu'elle soit loin. Parce que ça devient vite difficile d'y aller. Et souvent, ils se font là. J'ai une situation, on la fera demain. C'est qu'avant d'aller chercher une prise, vous devez mettre la main dans le dos, faire comme si vous étiez étouffé. Donc là, le temps que j'aille mettre la main dans le dos, bon, si vous voulez être plus dur, vous êtes obligé à couper des dégâts. L'idée, c'est d'amener une main derrière et qu'ils sentent ce qui se passe. Ils sentent que, oh là là, je suis plus en équilibre, ça tourne dans un sens ou dans l'autre. Donc je ne peux pas y aller. Donc j'ai une main que je dois libérer. Donc on voit que là, quand je suis dans une phase progression, il va falloir que je m'organise, non pas par rapport à une avec un pied équilibrateur et une main. J'ai plus que mon pied, ma jambe, qui peut m'aider à maintenir un semblant d'équilibre pour pouvoir aller chercher la prise. Donc c'est en ça que c'est vraiment important de différencier les moments où je vais chercher la prise, les moments où je ne vais pas chercher la prise. Dans les phases stat, si on voulait aller un petit peu plus loin, le problème c'est pas de s'équilibrer, c'est de s'équilibrer en essayant de consommer le moins d'énergie possible. On s'économise. Donc la question c'est comment je fais pour me relâcher? Comment je fais pour trouver une position de ce qu'on appelle PME ou en vrai effort? Il ne faut pas prendre une seconde en effort au sens caricature à du terme où je suis là, super, sur un bac, les deux pieds écartés. Là. Il y en a plein des positions de moindre effort, mais le moindre effort, c'est un gradient entre de l'effort qui peut être soutenu à un effort qui peut être vraiment minimal, voire ce qu'on appelle les points de repos, c'est-à-dire que moment je peux être calé et je peux mettre les deux mains en dos. Si je veux regarder moi prof ce qui se passe dans la posture, que ce soit dans la posture 1 ou la posture 2, je vais avoir un regard particulier sur le centre de gravité, c'est-à-dire sur le bassin. Où est le bassin par rapport aux appuis? Dans les deux plans. À la fois de derrière, vous regardez par rapport aux appuis, et à la fois, vous pouvez de temps en temps, on va mettre de biais ou peut-être prendre le mur, et voir où il en est en distance du mur.
Souvent, t'es derrière, ça suffit. Est-ce que le bassin, il est plus ou moins soutenu par les cuisses? L'escalade, c'est ça, c'est soutenir son bassin le plus longtemps possible, le plus souvent possible. À partir du moment où il n'y a plus de soutien, comme je disais tout à l'heure, je passe une face comme ça écartée, ah, j'enlève une jambe, même le temps que de la montée, eh bien, ligne, ça veut dire que ce temps-là, il y a un temps où le pied dans le dos. Après, bon, après c'est plus la démarche que là, vous avez deux façons de travailler, mais aussi, une façon. C'est suivant l'urgence. Hein. Soit l'élève, vous n'êtes pas loin. Moi j'utilise beaucoup un pointeur laser aussi pour enseigner. Parce que quand vous voulez indiquer à un élève la, une prise, comme ça, et que vous dites la gauche, la jaune, la droite, vous n'avez pas la besoin de parler. Pointeur laser, c'est pas mal. En plus, ça fait des spots, ça attire l'attention, moi je trouve ça bien. Et puis, de façon, soit c'est assez serein et assez proche, et quelqu'un pouvait fonctionner sur un mode plutôt interrogatif, soit plutôt sur un mode directif, ça dépend de la situation. Alors sur quoi vous allez intervenir? Alors dans le bouquin sur enseigner EPS, j'avais pointé trois niveaux d'intervention possibles, pas forcément graduels, et je reprenais en ça un travail de Lagari, c'était un enseignant de Grenoble qui avait travaillé sur la sécu. Il disait aussi, dans une démarche sur l'éducation à la sécurité, il faut travailler sur ces trois types d'éléments. La première chose, c'est essayer d'interroger sur les repères. Où rechercher les pistes. Donc là, c'est je dirais, la situation la plus ouverte, c'est quand il y a du temps, donc l'élève est en relation avec les. Où regarder. Où est-ce qu'il serait bien de rentrer. Sur un mode affirmatif, vous pouvez lui dire, ben, cherche plutôt à ta droite. Donc, pas forcément dire la rouge là, c'est de la pointer au pointeur laser. Si vous pensez qu'il doit aller par là, bon, il y a deux endroits où on peut trouver où on peut s'en sortir, c'est soit trouver quelque chose dans cet espace-là, ou soit trouver quelque chose dans l'espace qui est à l'opposé. Donc c'est indiquer un espace où orienter ta recherche. Ça, c'est ouvert. Deuxième niveau d'interaction, c'est dire il faut que tu viennes à droite. Donc, d'indiquer une action de déplacement. Il faut que je vienne vers la droite. Donc, comment je fais pour aller à droite? Je peux pousser là, je peux pousser là. Donc, je cherche les actions pour réaliser le déplacement. Alors là, c'est la fin. Vous indiquez la tête à droite. Bon. Trois types de solutions, et je terminerai là-dessus pour comprendre la motricité. Soit vous recherchez une solution avec le pied libre. Alors c'est souvent c'est le temps. Soit il faut déplacer le pied d'appui. C'est-à-dire que vous allez tout comme ça et vous remettez un pouce au centre, quelque chose comme ça. Ou soit on peut bouger le corps. C'est les trois atouts de tout à l'heure. On ne peut pas aller au-delà de ça. Chaque cas est différent. Je ne peux pas vous dire, comme en athlée ou en tennis de table, tout droit, tout en fly, etc. On ne peut raisonner qu'en termes de principe. Et par contre, c'est un petit guide que j'utilise et qui permet déjà d'orienter l'œil du